nous pouvons nous mettre debout ? Frères et sœurs, soyez les bienvenus en cette église Saint-Martin. Dans l'attente de la venue de l'Esprit-Saint à la Pentecôte, eh bien la prière du Christ nous renforce dans la fidélité à son nom. C'est ce que nous entendrons tout à l'heure dans cette parole de Dieu qui nous est adressée aujourd'hui. Alors, unissons notre prière à la sienne pour demeurer dans la vérité. Alors nous serons consacrés, nous serons gardés pour le Seigneur, pour être envoyés dans le monde. Nous sommes bien différents les uns des autres, et voici qu'en ce jour nous sommes rassemblés pour accompagner les enfants, vos enfants qui vont recevoir la communion pour la première fois. C'est-à-dire recevoir le corps du Christ pour la première fois. Laissons-nous habiter par sa parole et transformer par sa vie donnée pour devenir ensemble son visage, pour être ensemble le corps du Christ. Nous sommes réunis au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Première communion pour nos enfants, et pas la première pour nous, les adultes. Et nous savons que cette communion avec Dieu, elle est importante, mais souvent, elle est un peu cassé, un peu modifié par nos comportements, nos mauvaises paroles, nos mauvais gestes. Et c'est pour ça que, avant de vouloir faire ce cœur à cœur avec Jésus tout à l'heure, eh bien, au début de cette messe, nous voulons lui demander tout simplement pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous ensemble à la vie éternelle. Et c'est dans la joie que nous voulons vraiment chanter tous ensemble la gloire de Dieu.
ensemble, unis les uns aux autres, où nous essayons déjà de faire communion entre nous, nous prions le Seigneur. Dieu notre Père, personne ne t'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, tu viens demeurer en nous. Alors nous te prions. Donne-nous de proclamer avec foi que Jésus est ton Fils bien-aimé et qu'en lui ton amour est au milieu de nous. Garde-nous dans la fidélité à ton nom, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara : Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous. Depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. On en présente à deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi, pour qu'ils prennent, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Parole du Seigneur. Qui demeure dans l'amour de Dieu, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Lecture de la première lettre de Saint Jean.
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint l'imperfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu en chantant. Je vous invite à vous asseoir. Alors, j'avais prévenu hier dans la répétition à mes enfants que j'avais fait une interrogation pour un enfant. Il y a Romain qui commence à fuir. N'aie pas peur. Alors, juste, j'ai une toute simple question. Il n'y a pas de bonne règle, il me semble. Peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'Évangile? Est-ce qu'il y a des mots dans l'Évangile que nous venons d'entendre que vous avez retenus? Pour lever la main, les enfants. Alors, est-ce qu'il y a des mots qui vous ont touché? Si personne ne lève la main, je vous interroge automatiquement. Qu'est-ce qui vous a touché dans l'Évangile mon cas? Il y a peut-être un mot. Ou peut-être les papas et les mamans. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez retenu?
l'amour. Alors ça, c'était plus dans la deuxième lecture. C'était pas tout à fait dans l'évangile, mais d'une certaine manière, ça en parle. Oui, ça en parle. Pas directement. Alors que l'autre, vous ne voyez pas. Bon, alors je vais vous faire la recette. C'est moi qui vais parler à votre place. Bon, je vais vous dire quelques petits trucs. En fait, il y a trois mots qui reviennent. Il y a le mot unité. Être uni. Il y a le mot joie. Et puis, il y a le mot vérité. Unité, joie et vérité. Alors, je vais essayer de dire quelque chose d'intelligent là-dessus. Si je retrouve mon homélie, parce que sinon... Alors, vous savez que donc jeudi dernier, jeudi il y a quelques jours, nous avons fêté l'ascension de Jésus. Il est reparti auprès de son Père, et puis il a demandé à ses disciples de devenir apôtres pour continuer sa mission, puisque lui, il n'était plus sur terre, il fallait bien que quelqu'un fasse le job, et donc il a demandé à ses disciples de faire le job. Alors, nous le savons, et vous, les enfants, vous le savez, Jésus aimait beaucoup. Alors, je ne sais plus son prénom, c'est Louis ? Léo. Léo, hein, Léo disait le mot amour. Eh bien, en fait, Jésus, il aimait beaucoup ses disciples. Hein. Et il a souvent prié pour eux, pour qu'il ne leur arrive rien, pour qu'ils gardent la foi dans les épreuves, etc., etc. Et aujourd'hui, l'évangile que nous avons entendu, eh bien, justement, c'est une de ses prières. Donc, dans cette prière, Jésus, il prie pour l'unité, pour la joie et pour la vérité. Voilà un petit extrait. « Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. » Eh bien, la première demande de Jésus, ça concerne l'unité. Vous savez qu'entre Jésus et son Père, c'est l'amour fou. Alors si les disciples veulent être de bons témoins, de vrais témoins de Jésus, ils doivent eux aussi être animés par l'amour, s'aimer les uns les autres. Comment croire en Dieu ? Comment croire en Dieu si les disciples sont divisés ? C'est impossible. Alors, chers enfants, qui allez communier pour la première fois aujourd'hui, eh bien, l'Église vous rappelle que vous avez à vivre en harmonie les uns avec les autres. Plus que cela encore, unis les uns aux autres. Et c'est en étant gentils, en vous respectant, en vous considérant comme des frères et des sœurs, que vous serez de vrais témoins de Jésus. N'oubliez jamais ça. C'est en vous considérant comme des frères et comme des sœurs que vous serez les vrais témoins. Communier au corps de Jésus, eh bien, vous invite à communier entre vous. Nous sommes tous membres d'une même famille. La famille de Dieu. Pas de division dans la famille de Dieu. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. La deuxième demande de Jésus dans sa prière est celle de la joie. Jésus, il est joyeux d'être uni à son Père. Il est joyeux d'avoir des amis qui l'entourent. Il est joyeux d'avoir des disciples, d'avoir des apôtres. Et il souhaite que cette joie ne soit pas gardée pour un tout petit groupe, mais que cette joie, eh bien, elle soit transmise. Et nous le savons, la vie n'est pas toujours facile, la vie n'est pas toujours rose. Les plus anciens parmi nous pourront vous le dire. J'ai vécu des épreuves.
Mais un chrétien ne peut pas rester triste. Un chrétien ne peut pas rester triste parce qu'il sait tout l'amour que Dieu lui porte. Alors rappelez-vous toujours, chers enfants, que Dieu vous aime. Que Dieu n'est jamais loin de vous. Et sa parole est un bon guide qui nous réchauffe le cœur et nous met en joie. Lisez régulièrement l'Évangile, vous allez voir comme votre cœur va être tout brûlant d'amour et tout brûlant de joie. Alors, eh bien, quand notre visage s'illumine, quand nous revenons à la messe le dimanche avec un immense sourire aux lèvres, eh bien, nous montrons à tous que Dieu est une bénédiction pour chacun. C'est vrai que si on vient à la messe en faisant la gueule, ça va être difficile de croire en Dieu. Hein ? Mais si vous êtes tout souriant, hey, oh là là, tu es tout joyeux toi, qu'est-ce qui t'arrive ? Je vais à la messe, je vais communier. Ah bon ? Ça te rend joyeux ? Ah oui, oui, parce que je sais que Dieu m'aime. Et je sais que je vais être en cœur à cœur avec Dieu, et ça, ça me donne de la joie dans mon cœur. Ah bah tiens, je vais peut-être aller voir alors. Je vais peut-être te suivre, parce que ça m'intéresse aussi, moi, d'avoir la joie. Et vous le savez, malgré nos péchés, nous en avons parlé tout à l'heure au début de cette messe, eh bien, malgré nos péchés, Dieu est toujours fidèle à sa promesse de faire de nous ses enfants, parce que nous sommes ses enfants. Alors réjouissons-nous. Soyons joyeux, pas seulement parce que tout à l'heure on va prendre l'apéro et qu'on va bien manger, pas seulement parce qu'on va recevoir des beaux cadeaux, mais soyons joyeux parce que nous sommes aimés de Dieu et qu'ensemble nous formons une belle famille, parce que son amour est sans limite. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité, de même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. La dernière demande de Jésus pour ses disciples, c'est de les consacrer dans la vérité. Les consacrer dans la vérité, c'est-à-dire les lier à la vérité. Alors il ne s'agit pas des vérités scientifiques ou bien des vérités de l'Église, hein, c'est pas ça. Ça, on s'en fout. Il s'agit de la vérité de l'amour. Jésus désire de tout son cœur, de tout son être, que nous vivions dans sa vérité, celle qui donne la vie. Parce qu'en effet, eh bien, la vérité, c'est que Dieu nous aime, quelle que soit notre race, notre culture, notre âge, nos modes de vie, nos conceptions religieuses ou philosophiques. Et la bonne nouvelle nous aide justement à trouver la vérité même de Dieu, qui nous fait grandir humainement et spirituellement. Alors, chers enfants, rappelez-vous qu'aujourd'hui, en communiant, eh bien, vous choisissez le chemin du vrai. Le mensonge mène à la mort, alors que la vérité de l'amour mène à la vie. Choisissez toujours la vérité de Dieu qui vous donnera la vie. Alors, frères et sœurs, et vous aussi, mes enfants, eh bien, en ce septième dimanche de Pâques, tournons notre cœur et notre esprit vers le Seigneur. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour de Dieu demeure en lui, disait saint Jean. Et c'est ce que nous a rappelé Léo. Dieu est amour. Et qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Eh bien, demandons ce matin au Seigneur de renforcer sa présence dans nos cœurs. Que nous fassions un avec lui. Et que nous fassions un également entre nous. Que notre communion avec Dieu grandisse, afin que la communion dans l'Église progresse. Et que par notre unité joyeuse, cette unité que nous voulons tous ensemble, eh bien, nous devenions témoins de la vérité. Amen.
sur laquelle sont écrits nos prénoms, nous qui allons communier pour la première fois. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui dans le monde te reçoivent aujourd'hui pour la première fois. Voici les fleurs. Seigneur, nous t'apportons ces fleurs de toutes les couleurs pour te dire notre amour et notre joie. Seigneur, nous te confions nos parents, nos familles, nos amis réunis en ce jour. Nous te confions tous ceux que nous aimons et qui ne peuvent pas être là. Voici le pain de vie. Voici le pain. Seigneur, ce pain représente le travail des hommes. Il rassemble tout ce que les hommes font de bon. Il est le signe choisi par Jésus pour manifester sa présence parmi nous. Seigneur, nous te confions nos parents, nos enseignants, nos prêtres, nos catéchistes et tous ceux qui témoignent de ta présence. Voici le pain. Voici le raisin. Seigneur, ce vin est le vin de nos fêtes et de nos joies. Il est le signe de la joie éternelle que nous attendons. Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens du monde qui, par toi, s'associent à la première de nos communions. Alors, chers amis, nous avons apporté le pain, le vin, les fleurs, la banderole avec tous ces noms. C'est tout ce que nous apportons au Seigneur. C'est aussi maintenant le moment pour nous tous et nous toutes de partager. C'est le moment de la quête. La quête, vous savez, eh bien, c'est la participation de tous à la vie de l'Église. Ce n'est pas seulement mettre une petite pièce. D'ailleurs, au mieux que ce soit des billets et des pièces, ça fait pas. Mais, vous savez, l'argent récolté, l'argent qui va être récolté aujourd'hui et chaque dimanche, elle sert aux frais de fonctionnement. Mais pas seulement. Cela aide aussi pour l'achat de matériel pédagogique. Par exemple, pour la catéchèse. Ça sert pour les fleurs. Ça sert aussi pour aider les personnes quelquefois qui sont démunies. Alors en ce jour de communion, n'ayez pas peur de partager largement. Merci d'avance. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la résurrection de Jésus, Dieu notre Père, voici que tu fais toutes choses nouvelles. Soutiens l'espérance de ceux qui t'offrent en ce jour le sacrifice pascal de ton Fils. En lui, tu es glorifié pour les siècles des siècles.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste. Oui, vraiment, il est bon de te rendre gloire, Seigneur, de t'offrir tous nos remerciements, toujours, en tout lieu, et plus particulièrement dans notre Église. Nos remerciements à toi, Père très saint, toi qui es éternel, toi qui es tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur et notre frère. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi ta famille assemblée devant toi, rayonnant de la joie pascale, crie par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit. Et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De la même manière, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Thank you.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te remercions, nous te bénissons, car tu nous as choisis pour servir et être en ta présence. Avec humilité, parce que nous savons que nous sommes pécheurs, eh bien nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, en une seule famille, comme toi-même tu es un avec le Père. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, dans ton amour, en communion avec le pape François, en communion avec notre évêque Jean-Christophe et notre père curé Vincent, et aussi tous ceux et toutes celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te prions tout particulièrement ce matin pour les défunts de nos familles. Nous te prions aussi pour Francesca Blanda, qui vient de te rejoindre au ciel. Reçois-la et reçois-les tous dans ta lumière, auprès de toi. Et puis sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, tout particulièrement pour Léa, pour Louis, pour Léo, pour Cassandra, pour Léa, pour Aaron, pour Romain, pour Maya, pour Elia et pour Teddy. Permets, Seigneur, qu'avec la Vierge Marie, notre Maman du Ciel, la Bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Martin, bienheureux Frédéric Ozanam et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. J'invite à présent les enfants à venir se placer tout autour de l'autel. Alors je vous invite maintenant à poser vos téléphones, puisque nous allons prier tous ensemble. C'est vrai qu'on peut prier avec le téléphone à la main, mais c'est moins pratique. Alors vous savez, au moment de quitter ce monde, Jésus priait son Père pour ses disciples. On l'a entendu tout à l'heure dans l'Évangile. Et c'est dans cette prière que nous entrons nous aussi maintenant, lorsque nous redisons avec son esprit les mots que le Seigneur lui-même nous a donnés. Alors tous ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés. Ne regarde pas nos divisions entre nous et aussi avec toi. Mais regarde, Seigneur, la foi de ton Église. Regarde la foi qui est dans le cœur de chacun et de chacune. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne à ton Église toujours cette paix et cette unité. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, maintenant, nous allons pouvoir, on va peut-être pas se toucher pour éviter de se contaminer, mais on va pouvoir s'échanger un regard de paix. Alors, pas à la va-vite, hein, mais vraiment en prenant du temps, en ayant cette paix dans le cœur pour la donner aux autres, celle qui vient de Dieu. Nous pouvons nous donner un regard de paix maintenant. Dans l'Évangile, nous avons entendu que Jésus priait pour chacun et chacune d'entre nous pour que nous ayons la joie de Dieu dans nos cœurs. Alors, heureux sommes-nous, nous les invités au repas du Seigneur, car voici l'agneau de Dieu qui vient à notre rencontre, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. 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 Le corps du Christ. Amen.
le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Une toute petite indication pour le mouvement de communion. Donc nous restons dans les bancs. Ceux qui désirent recevoir la communion, vous restez debout. Ceux qui ne désirent pas recevoir la communion, qui ne peuvent pas recevoir la communion, vous pouvez vous asseoir. Et nous restons bien sûr dans le silence, en communion de cœur avec le Seigneur. Ça c'est bon, je me relave les mains et j'arrive. Portez à vos frères le corps du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps du Christ. 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 Que Jésus soit dans ton cœur et qu'il te bénisse au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Elle communie ou pas? Ah, ok. Le corps du Christ. Que Jésus soit dans ton cœur et qu'il te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Merci. Voici le corps et le sang du Seigneur.
Père te bénisse, toi qui vas porter à tes frères malades le corps du Seigneur. Nous pouvons nous mettre debout à présent pour conclure notre prière. Dieu notre Père, tu nous as consacrés au service de ton amour par la parole de vérité et le pain de l'unité. Que l'Esprit Saint fasse de nous les témoins de ton Fils dans ce monde où tu nous envoies et qui nous comble de sa joie dès maintenant et pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir pour juste quelques petites annonces. Alors, juste quelques petits mots. Nous nous reverrons donc samedi prochain, puisque à partir de samedi prochain, nous reprenons les messes ici même à 18h. N'oubliez pas que les enfants qui ont fait leur première communion, ça serait bien qu'ils fassent aussi leur deuxième communion. C'est très bon pour ce qu'ils ont.
Donc, à partir de dimanche prochain, enfin du week-end prochain, messe ici même, le samedi à 18h. Hein, messe à 18h, puisque le couvre-feu a été bien reculé. Maintenant, nous pourrons reprendre notre habitude de 18h, ce qui nous laisse plus de temps dans la journée. Voilà. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, l'Église a toujours besoin de petites mains, ou même de grandes mains. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir donner un coup de main. Peut-être que si vous avez des talents, plus ou moins cachés, vous pouvez toujours prendre contact soit avec les prêtres, soit avec Mireille, soit avec les chrétiens, les chrétiennes habituelles, et puis proposer vos services. Notamment, par exemple, moi, je cherche du monde pour le service communication. Vous avez vu que depuis tout à l'heure, la messe est retransmise en direct sur notre page Facebook. Nous avons aussi un site internet depuis 3 semaines maintenant. Donc, on a besoin aussi d'alimenter tout ça. Alors, si vous avez des connaissances techniques, c'est bien. Si vous n'avez pas de connaissances techniques, mais que vous savez écrire 2-3 mots, c'est bien aussi. Vous pouvez toujours rendre service de cette manière-là. Autre information, je vous rappelle que l'opération bouchon et papier d'alu est toujours en cours. Donc, au fond de l'église, vous avez des corbeilles qui sont à votre disposition. Nous récupérons tous les bouchons plastiques ainsi que tous les emballages d'aluminium. Tout cela est collecté par le groupe des jeunes des paroisses Famec, Florange et Ucange, donc le groupe Yes Ozanam. Ils collectent tous ces déchets et ensuite ils les donnent à des associations caritatives, notamment pour l'achat de matériel pour les personnes en difficulté de handicap. Voilà, en situation de handicap. Donc n'hésitez pas à ramener tout ça. Au nom du Conseil de Fabrique, merci pour votre quête généreuse d'aujourd'hui. Je suis sûr que je ne trouverai pas de boutons, de manchettes, ni de pièces de caddie. Voilà, que des gros billets. Merci ensuite à tous ceux et toutes celles qui ont participé à cette célébration, donc notre organiste, notre projectionniste Pascal. Un grand bravo, moi j'aimerais quand même qu'on dise un grand bravo, qu'on applaudisse nos catéchistes. Hein, là, les trois petites dames qui sont devant, Mireille, Annick et Aurore, parce qu'elles font quand même un gros travail. Et malgré la pandémie, elles ont rassemblé vos enfants pour qu'il y ait cette belle, belle célébration de première communion. Donc vraiment, merci à vous pour votre dévouement. Merci beaucoup. Merci aux enfants. Ils nous ont aussi aidés par leur attitude de prière. Ils nous ont aidés nous-mêmes à prier. Alors certainement que j'ai oublié des noms, mais je vous remercie tous. Voilà. Et puis le Seigneur aussi vous remercie. Enfin, dernière chose. Alors maintenant, petite consigne pour la sortie. Nous sommes Français et habituellement, nous sortons comme des veaux. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va être très civilisés. Donc, les enfants, eux, sortiront par l'allée centrale. Seulement les premiers communiants. Tous les autres, je dis bien tous les autres, les jeunes et les moins jeunes, vous sortez par les deux allées latérales. Et vous allez nous faire une belle aide d'honneur au fond, dehors, hein, devant le parvis de l'église. Donc vous allez sortir tous et toutes par les allées latérales. Vous ne sortez pas tout de suite, puisque je vous donne quand même la bénédiction finale. Je vois bien qu'il y en a qui commençaient déjà à se tirer. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, vous allez recevoir la bénédiction finale. Et après la bénédiction finale, vous partez tous sur les côtés en gardant vos distances de sécurité. Pas les uns dans les autres, hein. Les uns à côté des autres, à 1 mètre ou 2 mètres de distance. On n'oublie pas, voilà. On garde cette sécurité-là pour pas de... Merci à vous toutes et à vous tous. Très bon dimanche. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu, dont l'amour est sans limite, vous bénisse. Le Père, le Fils,
et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.